Voilà, donc je suis allée les accueillir au nom de l'ensemble. Il reste 5 minutes, après ça commence. Les grandes festivités, je suis super ravi. Tout le monde est enthousiasmé, on est plein, il n'y a que du bonheur partout. C'est un moment très particulier, ça me voit énormément. Ça va faire plaisir, hein. C'est bien. T'as l'air en pleine forme, t'as le mine. Ouais, on est très contents, c'est enfin arrivé cette soirée à livre ouvert, mais... On a un petit peu peur aussi, hein. Il y a un petit peu de stress quand même, on va voir. Mais ça devrait marcher en tout cas, ça devrait être dans la bonne humeur. Bon, sérieusement, on arrive. C'est pour bientôt. On attend notre heure. 10 minutes de retard, c'est rare d'ailleurs à la Philharmonie, mais bon, c'est un moment exceptionnel. Donc... Il faut attendre que les gens s'installent, il y a du monde, c'est plein. Nostalgie, nostalgie. Lancement de l'annonce, messieurs-dames. Attention, top entrée. C'est parti. Allez, taille-toi. C'est pas tout seul comme ça. J'ai pas mis ma rose, hein. T'as pas mis ta rose ? Voilà. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes tous très très heureux de vous accueillir pour cette première soirée anniversaire de notre ensemble à Livre Ouvert. En fait, deux œuvres. C'est Mémorial de Boulez et puis Modulation de Gérard Grisé. On a de la chance avec notre public. C'est un support extraordinaire. Je sens bien. C'est très gentil. Vous êtes des musiciens un peu chercheurs, on peut le dire, non ? Complètement. Oui. Complètement. Je crois que ça, c'est Christophe Desjardins. C'est vraiment dans les gènes de l'ensemble d'aller explorer des choses nouvelles. Et ce qui est toujours extraordinaire, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. Cela fait une dizaine d'années que nous suivons l'ensemble intercontemporain. C'est un vrai bonheur. C'est toujours d'excellentes soirées.
experience. I'm really happy that I could hear my friend Martin Adamek, who plays clarinet. And we came for him to see him, so it was really amazing to see him playing together with the ensemble. And I like the dramaturgy, especially the piece for contrabass clarinet. And Ligeti was my favorite. So thank you. Alors là, je crois que je joue dans 2 minutes. Vous allez chercher ma clarinette. Mesdames, messieurs, on va rentrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une super soirée, on s'amuse bien. Et puis, énorme programme concocté par nos deux flûtistes. Je suis ravi d'être là ce soir et puis j'ai rencontré plein d'amis qui sont dans la salle, plein de compositeurs. Et vraiment, c'est une ambiance extraordinaire. C'est dommage qu'on ne puisse pas partir en tournée avec ça, tellement ça représente de travail pour une régie extérieure. Pour les 10, les 20, les 30 et ça c'est les 40 ans, on espère encore pour de nombreuses années. On sera là aux 50, aux 60 et après, hein, c'est toujours une merveille. On était à la plupart des créations, donc ça nous a rappelé des choses, un grand plaisir. Apporter les plus belles émotions que j'ai, peut-être pas que j'ai jamais ressenties, mais en tout cas, je passe de sacrés voyages avec eux. Quoi. Ça nourrit l'inspiration, voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Incroyable. Ouais. Ça fait vraiment fête de famille ce soir, c'est incroyable. C'est bon de faire des musiques simplement. Quand je pense que les gens pensent que faire la musique contemporaine, ça demande un effort, bah ici, ça demande un effort de relâchement, je dirais. C'est vraiment bien d'être ici, là. En fait, on a tous 40 ans, on fait la fête, c'est génial. Il y a la radio, c'est un partenaire qui est depuis le début. On s'est fait le cadeau, nous, en tant que musiciens, de voir tout le panel de notre répertoire. On l'a fait. On le fera plus jamais comme ça. J'ai adoré une pièce et celle de Yann Romain. Voilà, que j'ai trouvé magique, très avant-gardiste par rapport à ce que j'espérais entendre. Mais je pense que je suis venue entendre cette pièce, même si je ne le savais pas. Quoi.
c'était très généreux comme programmation. Là, on a beaucoup apprécié. On a découvert plein de compositeurs contemporains.